blessure contre mage, c'est pas trop le keep. Ah bah si c'est un mage Mosaki, Mosacus, Mutanus, c'est la meilleure carte. Hein. Ça peut toujours être un mage Mosaki. Il y a quelques versions qui jouent. Qui jouent la voleuse. Genre là, je veux flamber, typiquement. Je préfère flamber et gagner un d'armure que masque de Cthulhu que j'ai déjà et gagner 10. Enfin, gagner 7. On sait comment on gagne. Hein. Faut pas qu'il ait l'étal autour. Avant qu'on joue Mutanus. Mais en fait, je pense que là, il pourra jouer. Hein. Je pense que là, il nous tue ce tour-ci, non? Enfin, il nous tue au tour d'après. Ça c'est un peu mou peut-être. En Mutanus. Là, mon seul moyen de gagner, c'est de voler Mosaki. Autant se dire, on le joue et comme ça, on peut faire potion division dessus. C'est pour ça que j'ai choisi la potion, mais... C'est bizarre qu'il ait pas joué Mosaki ce tour-ci. Du coup, il doit pas l'avoir, je pense. Je pense s'il l'avait, il l'aurait joué, là. Ou alors, il a oublié de la jouer. Ouais. On peut prier pour qu'il fasse une erreur. Hein. Il l'a pas. Bah, le problème, c'est que soit il l'a pas et Mutanus sert à rien. Mais en même temps, si j'attends, bah, dès qu'il va la piocher, il va me tuer. Ah, attendez, là, il y a moyen qu'il la chope, par exemple. Ah oui, là j'ai mon shot. Hein. Là, c'est parti, là. Allez, miam, 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 Mosaki. Et ça dégage. J'imagine qu'il l'a toujours pas.
Mais là maintenant, est-ce qu'il la balance avec trois cartes en main? Sachant que j'ai Mutanus. J'ai combien de dégâts? Incroyable. Merci Piratski et merci Sabossa. Trop fort notre deck. Beaucoup trop fort. Je pense que je garde apprenti contre paladin, quoique. On peut aussi tout virer, chercher flambé, hein. On va faire ça maintenant. Et Lotharst, le perroquet à 6 change beaucoup la force du deck, pas vraiment. Ça m'a fait gagner quelques games, mais sans plus. Bon, le deck a pas l'air beaucoup meilleur, hein, je vous avoue. C'est plus Obétreinte qui maintenant fait vraiment beaucoup de dégâts. Genre le dégât du pouvoir héroïque qui monte très très vite. Avant c'était pas le cas, là tu montes vite à... En fait dès que tu le joues, après avoir joué une flambée, ton pouvoir il fait déjà 4. Une petite victoire honorable il fait 6. Genre pour 2 de mana t'as une boule de feu, c'est pas rien. Hein. Un curve spell à 5, into Ara, c'est insane. Ouais, mais il n'y a pas de bon spell à 5. Merci, Jogaba. Il n'y a pas de... C'est le problème du perroquet, c'est qu'il n'y a pas vraiment de bon sort en mage. Genre, je sais pas, s'il y avait Blizzard perroquet, ça serait incroyable, mais là, c'est pas le cas. Quoi, il rope. Tu peux perroquer la flambée. Non, faut que ça coûte 5 ou plus. Mais sort à 5 de Kutun. J'ai déjà un masque de Kutun, mais je vais le reprendre. Ce constat de dire qu'en 2021, Mage n'a plus de bons spells chers. Masque de Cthulhu, c'est quand même un bon spell. Flamestrike, c'est meilleur qu'avant. C'est juste ça se met pas particulièrement bien, mais... En soi, 10 dégâts pour 7, c'est pas dégueu, hein. Les sorts de Cthulhu ne sont pas bons. C'est pas dégueu, hein. Genre une 6-6 pour 5, une 6-6 stone pour 5, c'est pas dégueu. Oh, je dirais pas qu'ils sont mauvais, les sorts de Cthulhu. Je pense que ça va. Est-ce que ça cible forcément l'adversaire, le sort à 5 qui détruit un serviteur? Ouah, j'ai tellement de masques de Cthulhu. Est-ce que vous vous rendez compte que là, dans la main, j'ai 5 masques? Ils sont pas bons, ils sont moyens. Moyen plus. Genre là, en voleur, quand je l'ai joué, il n'y a pas si longtemps que ça. L'AOE, pour tout. Bon, l'AOE, elle est pas géniale.
Mais genre, je sais pas, moi ça me paraît pas mauvais. C'est plutôt équilibré, on va dire. On va tuer Juntars, on est d'accord que ce deck ne révolutionnera pas la méta malgré les ups. Je pense, ouais. À mon avis, il est jouable, mais... Je sais pas. Ce côté Masque de Khtoun rejoué, il me plaît bien quand même. J'aurais peut-être dû faire mon pouvoir avant. On va faire missile d'évolutif du coup. Je peux quand même faire 5 masques de Khtoun à la suite. C'est pas rien, hein. Sachant que lui va relancer flambé. En vrai? Genre derrière je fais ça. Ensuite je peux faire ça, ça et un pouvoir héroïque boosté. La musique me donne froid, sérieux, c'est laquelle? Ongi Forest, Barrel Course. Donkey Kong 64. On va passer à la suivante. En vrai, vous savez ce qu'on va mettre comme musique? Ça, ça rejoue missile évolutif, hein. J'aurais peut-être dû trahir d'avant. J'aurais dû trahir d'avant, ouais. La musique de Majora's Mask, c'est quand même parfait. Ça, ça fait 4 dégâts. Elle fait peur la musique de Zelda Majora's Mask. What? Attendez, je vais chercher les musiques d'Hyrule là. Y'a pas? Song of Time. Voilà, 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 voilà. Ça, ça, c'est les bonnes musiques, ça. C'est tout? Mais attendez, normalement, il y a une petite version orchestre derrière. Visite.
Oh mon pouvoir, il fait 7 points de dégâts. Mais il a pas vu le dernier masque. Elle était trop bien cette game. Let's go, on enchaîne. Non, on va rester sur ce deck. Honnêtement, j'aime bien l'idée de jouer Ktoon que vous proposez là avec le perroquet. Il y a peut-être des sorts qui valent le coup d'être joués. Peut-être aussi le Sora 5 qui inflige des dégâts aux adversaires. Il y a peut-être des choses à faire. Le problème, c'est que plus je joue de sorts, moins j'ai de chance que Évocatrice me donne flambé. Alors que j'aime bien flambé. Alors, la musique est horrible, hein, je vous le cache pas, on va changer. Je pensais qu'il allait y avoir des belles musiques, voilà, comme dans un Zelda, quoi. On va plutôt mettre Ocarina of Time, hein, c'est plus joli. On pourrait jouer la 3-1 qui pioche un sort en plus, hein, je suis d'accord. En plus de l'évocatrice. Il faudrait retirer Pandaren à ce moment-là, je pense. Oh! Oh, c'est bien vu, ça! Oh, ça, c'est très bien vu, ça! Alors ça, surtout pas. Attendez. Pas tout de suite. Je m'échauffais la voix. Le bonhomme de neige. Allez, tous ensemble, hein. Je pense que le nerf de l'Octobot affaiblit vraiment le voleur Garou. Oui, ça l'affaiblit un peu. Oh, mais le bonhomme de neige qui va être rejoué sur le magistère au Bétreinte. C'est tellement fou. Libéré, délivré, na 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 na. C'est Olaf. Il est là, le bonhomme de neige. Vous êtes là pour la visite. Ah là là, la douce voix de Tars de bon matin. Non, mon bonhomme de neige, il a fondu. Ah, et la preuve que les bonhommes de neige ont une âme. Si ça, c'est pas une preuve, regardez. Drain d'âme sur le bonhomme de neige et il est mort. Donc, quand vous faites des bonhommes de neige chez vous, et que vous les maltraitez après, c'est pas bien. On fait une brute de neige. Ah,
Libéré, délivré. Il fait peur, lui, hein. Et ça, c'est un ogre des neiges. Et lui, c'est une brute. Ah. Il va falloir tuer ça. Bon, là, je vais jouer Masque de Cthulhu. J'ai joué d'autres sorts d'arcane que les moutons, je crois. Je suis pas sûr. Ah, il pioche vite. Ouais, ça joue ça carrément. Deux. Allez, 4 points de dégâts. Peut-être faire un tour tranquille où je gèle là. Hein. Je peux aussi faire Obétrin tant qu'il y a peu de serviteurs. Voilà, j'ai potentiellement l'étal, non? Attendez. Je change tout en mouton, je fais Masque de Cthulhu, c'est gagné. Ah oui. Ça, c'est de la musique. Ça, c'est de la playlist. Ah ouais, faut envoyer là. Hein. Faut envoyer, sinon on est foutu. Non, la brute qui va se transformer en mouton. J'ai gagné. GG. Trop fort ce deck. Il fera 3 ton HP. Non, le pouvoir héroïque se transforme, donc il fait un dégât de plus. Et ça rejoue flambé, donc ça refait un dégât de plus. C'est dans le patch, les dégâts de flambée maintenant sont permanents tout au long de la partie. Quand vous faites flambée, même si vous changez de pouvoir héroïque, vous conservez les dégâts boostés. Victoire honorable dans sa tête, tout à fait. Petite page de pub, désolé, hop. Franchement, je vais le garder en main de départ, je pense, lui. Hein. Il est devenu fou maintenant. Il était nul, mais... Le fait qu'il arrive à 7, qu'il rejoue flambé, c'est quand même incroyable. Hein. Ouais, je vous file le code. Je pense que ça va être un bon jour YouTube. Hein. Salut YouTube. Salut, salut. Le nouveau deck... Le deck Mashping, qui ne révolutionne pas la méta, mais qui se débrouille bien.
peux éviter les sorts de feu. Je pense que ça reste tir 2 ou tir 3. Je sais pas, après c'est le début de la liste, hein. Peut-être qu'on peut l'optimiser encore. Et trouver mieux, mais ouais, pour l'instant, là, ça a l'air d'être tir 2, tir 3. Ouais. La carte parfaite, exactement ce que je voulais. Je pense qu'apprenti, je vais essayer de la garder pour après au B30, parce que ça fait des trucs de dingue après. C'est limite pyroblast sur tout le board. Ce qui veut dire que ce tour qui arrive, peut-être que... Libéré, délivré, na 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 na. Libéré, délivré. Mes voisins, ils vont péter un plomb, hein. Heureusement que je pars en vacances demain. Je recoupe le son. Et je coupe le son. Tard dernier avertissement, promis, j'arrête de chanter. Mais c'est plus fort que moi, quand je vois Olaf, le bonhomme de neige, j'ai trop envie de chanter. Ah oui, c'est « Je ne mentirai plus jamais la suite ». Non mais il faut inventer une chanson liée à Hearthstone. Faut inventer un truc. J'ai joué Arcane déjà, je crois pas. Hein. Hop. Je n'autécarai plus jamais. Oula. Je ne t'odécarai plus jamais. Aïe, aïe, aïe. Tu pars au ski ou en famille? Je pars en famille. Mais je continuerai à streamer, vous inquiétez pas. Juste demain, je fais le trajet. Et... Enfin, aujourd'hui, je fais le trajet. Demain aussi. Et jeudi, je reprends le stream. Putain, c'est stressant, les musiques de Zelda. On va mettre là le truc d'Hyrule, là. Ça, c'est trop bien. Mais il joue le même deck que moi. Ah, mon pouvoir il va faire 4, ça va pas être du tout honorable. Oh, je peux rejouer Ktoon. Osef, on fait ça. Hein. Oh, je rediminue le coût du Solarian. Oh, mais c'est trop stylé ça. Bien sûr. Il n'en serait pas du tout été honorable. Hein. Ça se pièce, ça. Hein. Ça se pièce, comme ça, je peux jouer ça et ça. Et on va jouer ça pour tanker un coup de masque de Ktoon. Et tour d'après, j'ai Perroquet qui refait masque de Ktoon et pouvoir héroïque, c'est gagné. Parce que tu te rends compte que tu peux pas streamer un jour complet, tu penses pouvoir tenir. Je sais pas. Ah non, lui, il joue un tel vers des arcanes de base dans son deck. Il joue pas comme moi. C'est le même principe.
J'ai 14 dégâts, c'est pas assez. Oh, je suis mort là, je pense. Aïe, 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 aïe. Pas qu'il est deuxième apprenti téméraire. Non. Non, il a la deuxième. Oh, ce deck est trop fort, il ne perd que contre lui-même. Un tel des arcanes directement dans le deck, c'est une option aussi. Hein. Mais les pans d'arène, je suis pas fan. Ça peut pas donner flambé. Je vais les enlever, je pense. Je pense la version ultime, on enlève ça. Et on joue les cartes qui vont nous piocher flambé. Et... voilà, les scruteuses des étoiles. Comme ça, on pioche vraiment flambé à chaque game. Et masque de Cthulhu. On a 4 cartes qui permettent de tuto des sorts. Bref, sur YouTube, je vous mets le code dans la description de la version Opti. On va rejouer encore un peu le deck.